entre Ninon Gwamba et Semondon, c'est une relation sans nuage. C'est des rapports de convivialité parce que tel que nous sommes là, nous sommes appelés à vivre ensemble. Lui, il a besoin de nous, nous aussi, on a besoin de lui. Je me suis arrangé à ce que je puisse créer cette initiative dans le but de pouvoir favoriser un climat d'échange et de dialogue entre le député que je suis avec mes mandants. Donc je peux dire que jusque-là, le bilan à mi-parcours, je pense qu'est positif parce que j'ai gardé une relation étroite avec mes mandants et jusque-là, tout se passe bien. Si cette relation surfe sur une vague paisible, c'est en grande partie grâce à ce genre de rencontres que le député entretient régulièrement. Tosolola, ce concept culte devenu lieu d'échange par excellence entre ce député et sa base, a réuni ce dimanche cet échantillon des populations du quartier 58 bis. J'ai échangé avec mes mandants vivant dans la zone 58 bis à Mikalou. Nous avons évoqué des sujets d'intérêt commun tels que la sécurité dans le quartier. Nous avons en réalité parler, en fait, les populations essayaient de m'interpeller sous mon bureau à l'Assemblée nationale. Des questions demandant. Nombreux de vos descentes parlementaires, les remises des dons, les aides socio-économiques, les tournois de football se passent le plus souvent seulement à Mukondo et à Mikalou, c'est-à-dire que dans la zone 2 et la zone 3. C'est comme d'habitude, le monde entier à l'écoute. Nous sommes dans un problème moral. Dernier problème est à Liapon, Yamadoukou, Yabouji. Et s'arrêter dans Angola, on s'étonne. Des problèmes inhérents au quotidien des populations, mais ce n'est pas tout, puisqu'il était aussi question pour le député de répondre à la question sur l'absence de son suppléant à ses rencontres, s'il y a un conflit latent entre les deux. Tout va bien, c'est juste qu'en fait le suppléant n'était certainement pas disponible parce qu'il était informé de la tenue de cette activité, il ne s'est pas présenté. Nous avons tous fait le constat effectivement de son absence. Mais sinon, à ma connaissance, il n'y a pas de problème. Série de questions-réponses suivie de l'exhortation du député du PCT à la jeunesse particulièrement, appelant cette dernière à prendre au sérieux son avenir en refusant de se verser dans des initiatives qui ne lui servent que de simples distractions. L'honorable, il nous a fait comprendre beaucoup des choses à cela. Nous avons compris l'importance d'être jeune et puis de s'exercer. Ne pas se contenter seulement de l'État, il faut se forcer à exercer du genre commerce et de battre plus de ressources dans la vie. Ça montre la proximité du député et de ses mandants. Ce que j'ai retenu, en fait, c'est son interpellation sur l'année de la jeunesse. Il a été pragmatique, il a dit ce qu'il devait dire. C'est à nous, les jeunes et les papas du quartier, de prendre le problème à bras le corps pour que ce que nous déplorons comme fléau ne se produise pas dans notre quartier. Les quartiers 58 et 58 bis, deux parties de la 4e circonscription électorale de Wendy que Ninon Gwamba se donne tous les moyens pour conscientiser ses mandants dans des échanges francs et sans concession.